Yo les gars, c'est Susuk, j'espère que vous allez bien. Deuxième vidéo de la journée parce que tout juste après que j'ai pu tourner le boss rush, tu le verras peut-être avant ou après cette vidéo, j'en sais rien. Je te mettrai au montage les photos des news évidemment. Des news sont tombées sur la version globale, le 31 octobre pour Halloween vont du coup arriver, eh bien, quelques nouveautés. Un nouveau Végéto, et non, ce n'est pas le Végéto LR, arrêtez de dire des bêtises sur Twitter, ce n'est pas du tout le Végéto LR, c'est un Végéto spécial Halloween avec un bonbon, je vais vous l'afficher, vous verrez la carte, hein, face à Boo Gohan absorbé, comme tu peux le voir. Donc c'est vraiment un personnage pour marquer le coup d'Halloween. Au niveau du perso lui-même, c'est pas ce qu'il y a de plus ouf au monde, hein, c'est pas le perso que tu vas forcément utiliser tout le temps. Ceci dit, c'est cool d'avoir ce skin de Végéto, parce que c'est quand même un moment assez marquant dans l'anime, mine de rien. Donc voilà, après, grande chance quand même d'échapper, enfin d'esquiver l'attaque ennemie. Les super attaques sont incluses. Et enlève la garde ennemie et récupère des HP avec les bonbons. Bon, le passif en soi est pas dégueulasse, hein, les gars. Il sait pas. Quoique. Au niveau du leader skill, on s'en fout complètement. T'as une rare chance de stun. Il est de type technique. Est-ce qu'il rentrerait dans la team tech? Je crois pas, hein, je crois pas, les gars. Hein. Quand même grande chance d'esquive, hein. Et baisser la garde de l'ennemi et de récupérer des HP avec des bonbons. Bon, toi t'en auras pas des masses dans les trucs, donc un peu aux F. Je sais pas, faut voir. C'est quand même pas le perso de l'année, mais bon, c'est un perso qui marque le coup pour Halloween. On verra bien si y a moyen de. S'il y a moyen de le faire rentrer dans la team. On testera ça, les amis, quand ça sortira. Mais surtout, la plus grosse nouvelle de cette mise à jour, c'est Zama Black qui arrive finalement sur la version globale de Dokkan Battle. Enfin, Zama Black est présent. Ça fait plaisir. Donc, le petit Zama Black qui arrivera le 31. Sur Reddit, les gens pensent qu'on l'aura même dans une bannière en feature, alors que sur la Jap, ils l'ont eu un peu comme Gohan LR. Pourquoi? Parce qu'apparemment, il n'y a pas de Rebirth qui sont amenés avec ce LR. Et donc, du coup, ils supputent sur Reddit que cela voudrait dire peut-être que le personnage serait en bannière comme Broly LR, comme Trunks LR par exemple, et non pas comme Majin ou Gohan. Donc ça serait un très beau cadeau d'Halloween. S'il est sur la bannière, crois-moi mon ami, je vais invoquer salement. Donc du coup, pour ce personnage là, hein, c'est Ki plus 3 pour le type technique, HP, défense, attaque plus 90%. Donc comme les Neo LR, Gohan, Vegeta, etc. Et pas les autres qui donnent Ki plus 4. Désormais. Au niveau de son passif, c'est recoupe 15% de ses HP au début du tour, attaque plus 30% à chaque fois qu'il reçoit une attaque, jusqu'à 120% maximum. Donc c'est un très bon LR. Malheureusement, ce petit passif est un peu relou, mais ça reste un très très bon LR. Rien à dire là-dessus. Moi j'ai la carte en anglais, donc Fear and Face pour les liens. Nightmare, Prepare for Battle, Dismal Future. Dismal, je sais pas ce que ça veut dire en anglais, le futur. En gros, c'est un truc, une connotation négative, je pense. Big Bad Bosses, évidemment, Fierce Battle, le Legendary Pouvoir, donc le lien des LR. Donc, non, c'est un personnage qui est très, 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 très correct et qui s'intègre évidemment dans la team extrême technique. Et je crois même qu'il y a une team catégorie qui devrait pouvoir l'accueillir, si mes souvenirs sont bons, sur la version Jap. Donc, un très, très bon LR. S'il est feature, je te conseille d'invoquer. S'il n'est pas feature, je te conseille de ne pas invoquer. Hein, évidemment, à qui plus, enfin, à sa spé maximum, qu'est-ce qu'il donne? Attaque plus 30%. Et super attaque power is increased, donc son attaque est augmentée. Là je suis sur le site de DBZ Space, les amis, hein, pour ceux qui me demanderaient. Donc voilà un petit peu pour ce nouveau LR qui va arriver du coup le 31 octobre. Ne me demandez pas l'heure, je ne la sais pas, je ne la connais pas. Peut-être du coup en bannière feature, ce qui serait pas très bien. Et en même temps, nous avons d'autres choses qui arrivent, les différents rebirths des persos du Baba Shop. Donc Kame Sennin, Krillin, Dabla, Nappa et Great Saiyaman qui ont tous leurs rebirths. Pour les joueurs free-to-play, ça vous sera utile. Pour les cash players, OZEF. Mais pour les free-to-play, ça vous sera utile. Donc voilà tout ce qui arrive le 31 octobre sur la version globale. Donc le Végéto bonbon exclusif global, Zama Black. Et les rebirths de tous les persos que tu peux acheter dans le Baba Shop. Donc, Kulilin,
Master Roshi, comme ils disent en anglais, hein, donc Kame Sennin, Dabra, Nappa et Great Saiyaman. Donc le boss rush Super 3, donc c'est le numéro 5 qui est arrivé déjà aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo. J'ai déjà d'ailleurs fait une vidéo là-dessus, peut-être que tu la verras avant ou après, comme j'ai dit au début, je ne sais pas. On verra quand est-ce que je vais la mettre. Et apparemment, il y a un nouvel item, des nouveaux items qu'on va voir. Je crois que c'est les... Ah non, en fait, ils changent les médailles de... comme sur la Jap. Je crois qu'ils changent du coup les... Voilà, c'est non, c'est des nouvelles médailles, c'est les médailles Ghost. C'est des médailles de Ghost et un nouveau item de Dabra en mode cookie. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne des random change key sphere, tout physical key sphere. Ok, donc ça change aléatoirement des key, des boules de key en endurance, en boules de key endurance. Attaque plus 5% par boule de key endurance obtenue pendant un tour. Ça ne se stack pas. Bon, ok, c'est de la merde. Hein. Voilà, c'est de la merde. Donc ça on ne le sait. On va le savoir. Et une nouvelle mission appelée Majin Buu Candy Mischief. Donc le chef des bonbons. Majin Buu, chef des bonbons, quelque chose comme ça, je crois. Je suis pas sûr du Mischief de la traduction. Mais enfin bref, c'est plus ou moins ça. Qui te permettra de récupérer un vieux Kai si tu le termines 50 fois. Ainsi que pas mal de récompenses, mais qui ne sont pas encore données. À moins qu'il les ait mises ici. Si on peut voir ça. Non, je ne crois pas. Apparemment, il y aura éventuellement... ah si, apparemment, il y aura des médailles. Il y aura des items pour l'entraînement. Il semblerait qu'il y ait quelques Dragonstone, quelques petits R dégueulasses. Je crois dans les récompenses. Mais j'en suis pas sûr. Hein. C'est ce que je vois sur le site. J'en suis pas sûr, les frérots. Enfin bref, ça, on verra bien. En tout cas, du coup, pas mal de nouveautés qui arrivent le 31. Enfin, pas mal. Quelques nouveautés qui arrivent le 31. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez invoquer sur Zama Black? Moi, c'est un des LR que je préfère en termes de design. C'est peut-être pas un des meilleurs. Enfin, c'est pas un des moins mauvais. C'est pas un des plus mauvais plutôt. C'est, voilà, je dirais que sur la glow, hein, sur la glow, on a Gwen LR devant, évidemment. Et on a Zama Black juste derrière. Bon, sur la glow. Donc sur la glow, il est très 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 intéressant. Sur la Jap, il y a Trunks LR qui passe devant. Il y a peut-être Mighty Mask, enfin Goten LR et Trunks LR là. J'oublie qui, parce qu'ils ont tellement sorti de LR sur la Jap que je sais plus où on en est. Qui on a encore comme LR? Bon, j'ai un trou, mais en tout cas, il est dans les 4-5, et en top 5 sur la Jap. Et sur la glow, il est second, selon moi. Évidemment, Goten LR, toujours first, mais bien jour je l'aurai. Ah, on touche du bois, vite on touche du bois. Enfin bref, donc faut attendre le 31. Moi pour vous le dire, du 31 au 5 je serai à la Paris Games Week. Donc n'hésitez pas à venir, on aura un stand avec Eclipsia. On va faire des animations le mercredi principalement, mais j'y serai tous les jours. Plus sur le stand de Namco Bandai où j'irai squatter un petit peu Dragon Ball Fighters, un peu comme tout le monde. Et les jeux Naruto qui sont présentés pour le coup. Et puis voilà, donc je vous invite à venir, je serai avec Lilian et puis plein d'autres potes. Donc ça sera un plaisir de vous rencontrer là-bas. Et deuxième chose, pensez à activer la clochette parce qu'il y a des gros soucis de notification. Je sais, je le rabâche depuis plusieurs vidéos, mais malheureusement on n'a pas trop le choix pour l'instant. C'est un peu compliqué, Lucas TV a des gros soucis aussi, etc. Plein de gens ont de gros soucis de notification et moi je suis frappé de plein fouet. Et étant petit youtubeur, eh bien ça m'emmerde fortement que mes vues soient divisées par deux. Non pas parce que les gens ne veulent plus regarder mes vidéos, ce qui, bon bah ça c'est comme ça, c'est la vie. Ou parce que j'ai des mecs qui sont inactifs, mais tout simplement parce que les gens ne reçoivent pas les notifications. Et j'en ai des dizaines et des dizaines de messages par jour me le disant. Donc voilà, c'est embêtant. Donc essayez de, s'il vous plaît, si vous voulez recevoir mes vidéos, d'activer cette petite clochette très importante pour avoir plus de chances de recevoir les notifs en temps et en heure de mes vidéos et de mes lives aussi, parce qu'il y a de gros soucis sur les lives aussi. YouTube, c'est un peu la PLS en ce moment, je te le cache pas. Donc ça, c'est très important. Et puis de lâcher un petit pouce bleu des familles qui aide au référencement de la chaîne ainsi qu'au référencement de la vidéo en elle-même. Et donc du coup, qui permet de soutenir ton petit vidéaste, ton petit sucre favori. Voilà, mais écoutez, moi je pense que je vous ai tout dit sur ces nouveautés. Peut-être qu'il y en aura d'autres au moment où moi je vais arrêter la vidéo, qu'il y a d'autres trucs qui vont sortir, je sais pas. Mais bon, après il faut que je parte au boulot, donc bon, on a pas trop le choix les amis, hein, on tourne la vidéo comme on peut. Voilà, et un gros merci encore à Krusty pour cet overlay magnifique de la mort qui tue. Allez, biscuits of peace, ciao.